Bonjour les amis, c'est Gemico, j'espère que vous allez bien. Bah là je vous retrouve sur Horizon Forbidden West pour un nouveau gameplay. Donc là je vais vous faire l'épisode 12 d'une incroyable aventure. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout activez la cloche. Allez c'est parti, let's go. Allez c'est parti, on va parler à Kotalo, il est juste là. Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Parlez 10, mais qu'est-ce que tu manigances? Tecote a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Alors, on va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part? Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches. Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez. Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? C'est une comparaison peu flatteuse. Les rebelles possèdent peut-être un camp au nord-est. Et ensuite, on va tous les affronter à nous deux. Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Bah allez, c'est parti. On va trouver un canon. Donc c'est par là-bas. Ah, c'est vraiment beau ici. C'est magnifique. Bon, les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Paré ? On y va ! Cette chose en a un. Mais elle ne sera pas facile à abattre. Surtout avec ça. Je m'occupe du mastodonte. Toi, tu gères les autres. On y va quand tu veux. Allez, c'est parti. On va prendre l'arme qui est juste à côté. Allez, on va chercher ça. C'est à moi. Allez. Faut que je me cache derrière une pierre. Oh, oh. Bah, c'est chaud. Allez, voilà. Allez. Allez, faut que j'esquive. Allez, je me soigne, voilà. Allez. Allez, j'y suis presque. C'est bon. Oh, c'était chaud. Faut que je trouve des soins, vraiment. Allez, je récupère des plantes, un maximum. Oh, il y en a plein, là, c'est bon. Allez, je le réanime. Voilà, c'est bon. Allez, on va fouiller ça. Allez, je récupère tout ce qu'il faut. C'est bon, dépecer le frappe défense. J'ai vraiment pas hâte de transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Après toi. Bah allez, c'est parti, on y va. Allez, on a 6 soins, on va y aller, je pense. Allez, c'est parti. Le voilà. Mais il te faudra plus qu'un canon. Il te faut un miracle. C'est bien possible. C'est bon. Donc allez, on va utiliser le canon. D'accord. Voilà. Ça fonctionne. Pas explosé. Ah, c'est bon. Jamais. Eh bien, n'est-ce pas émouvant à voir? Deux enfants qui jouent à la guerre. Vous viendrez peut-être à bout du rempart dans 10 ans? Allez, vous vous êtes assez ridiculisés.
Laissez cette pauvre montagne tranquille. C'est ta dernière chance, tes côtés. Tu peux encore répondre à l'appel des carreaux. Tu n'as pas l'air de comprendre, c'est ta dernière chance. Quitte cet endroit sauvage, pars et prends l'estropié avec toi. Caché derrière ton mur, tes côtés. Tu vas devoir rejoindre Ekaro. Jamais. Jamais. Nous allons le rebâtir. Immédiatement. C'est inutile. Le rempart n'a pas pu te protéger d'un seul canon. Sans parler de toute une armée de machines. Le seul moyen de t'en sortir est de faire front commun contre Regala, avec ton chef. Tu as dit que tu n'enverrais pas de candidat tant que le clan serait en sécurité derrière le rempart. Envoie-les dans ce cas. À moins que ta parole n'ait aucune valeur. Allez-y. Je ne t'entends pas. Envoyez les candidats. Je suis impatient de voir les couleurs du clan du ciel dans l'arène. Beau travail, Maréchal. Que va devenir cet endroit ? Ils devront vivre sans leur mur. Mais ce sera mieux que de vivre à l'écart, et à devoir subir les manigances de tes côtés. Si tu veux savoir ce qu'il en est, parle à Jera, la chapelaine de ce clan. Si quelqu'un a besoin d'aide, elle le saura. Bon. Peut-être, alors. Alors je vais te laisser. Je dois faire mon rapport à Ekaro. On se retrouve au coup de route. Tant mieux. Là-bas, il nous faudra encore un autre miracle. On a fini la mission, donc là on doit aller à 2000 mètres. Ah c'est bon, je commence à savoir le conduire, mais c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est juste à côté. On fera ça dans le prochain épisode les amis. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis.